Je vous explique comment configurer Stellarion avec le logiciel EQMod. Et Ascom. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà on va déjà lancer le Stellarion pour pouvoir configurer le logiciel. Voilà, donc on va aller en bas à gauche, cliquer sur la clé à molette, ça va ouvrir la fenêtre de configuration. On va aller sur plugin, on va cocher la case charger au démarrage. Et après, on va retourner sauvegarder. Une fois qu'on a sauvegardé, on quitte, on relance. On retourne dans le contrôle télescope. On clique sur configurer. Voilà. Ici, option, on clique les trois premiers trucs. Après, on va aller dans télescope. Et on va cliquer sur ajouter. Première fenêtre, on clique sur le deuxième. Logiciel tiers ou poste distant. En dessous, on efface. On tape par exemple NEQ6. Voilà. Après, en dessous, il y a démarrer, se connecter au démarrage. On le connecte et on fait OK. Le télescope est configuré. Et on va quitter Stellarion. On sauvegarde les paramètres avant. On quitte. Voilà. Et là, on va lancer maintenant avec le petit logiciel Stellarion Scope. Première fenêtre, on clique sur OK. Voilà. Là où ça clignote, on clique pour sélectionner la monture. Voilà. Là, on va choisir HEQ5 et 6 pour la NEQ5 et Q6 HEQ5. Voilà, là je vais prendre simulateur comme je suis chez moi. C'est la même chose. Ok, voilà, ça va ouvrir la fenêtre EQMod. Voilà. Donc en dessous de Select Mount, donc dans Stellarion Scope, on va cliquer sur Star Stellarion. Il se met en route. Et normalement, en se mettant en route, on va voir directement le réticule de la NUQ6 qui doit être affiché. Voilà. On va passer en mode de nuit pour pouvoir voir les étoiles. Et je vais mettre la vitesse 4 pour le déplacement de la monture aussi. Sinon, la monture se déplacera pas assez vite. Voilà, on met 4 ici. Après, on va agrandir aussi. Voilà, on met le noir. Voilà, maintenant on va agrandir la fenêtre EQMod pour pouvoir sélectionner notre fenêtre d'alignement sur 1, 2, 3 étoiles. Donc là où ça clignote, on va cliquer sur EQMod. Voilà, et là dans alignement SINSC, on va prendre le dialogue. Alors on peut choisir incrémenter l'ISIS cam ou dialogue. Il faut prendre dialogue parce que voilà, en fait quand vous sélectionnez incrémenter 10, ça fait disparaître le petit icône du dialogue. Donc il faut bien se mettre sur dialogue, l'icône réapparaît là où ça clignote, là on clique ici et ça nous ouvre la fenêtre d'alignement. Voilà, cette fenêtre va nous servir à aligner nos étoiles. On va réduire le EQ mode. Voilà. Alors, on va commencer par sélectionner une étoile sur Stellarion. Dans la grande ours, voilà. Là, avec les touches du clavier, on presse CTRL 1 et le télescope va se mettre en route. Voilà. On a la position qui s'est enregistrée dans la fenêtre d'alignement. Une fois que le télescope va s'arrêter, il va viser à peu près l'étoile. Il faudra ajuster, centrer l'étoile dans l'oculaire. En vous servant soit du joystick ou soit des touches dans la fenêtre d'alignement nord, est, ouest et sud. Là, on va simuler un petit déplacement, comme ça vous allez voir ce que ça donne.
quand on resynchronise. Alors, je déplace un peu l'étoile. J'ai le logiciel qui rame un peu parce que je suis en train d'enregistrer en même temps l'écran. Donc une fois qu'on a recentré, ben on appuie sur Accept et ça va resynchroniser l'étoile à sa place, quoi, voilà. Bon, ben après on va sélectionner une deuxième étoile. Pareil. Dans les Gémeaux, Pollux, CTRL 1, le télescope se déplace. On recentre l'étoile dans l'oculaire. Comme tout à l'heure, on fait un petit déplacement si besoin. Et une fois que c'est fait, on recentre, on clique sur accepter. Après, on va choisir la troisième étoile, CTRL 1. Une fois que la dernière étoile est sélectionnée, vous avez votre alignement sur trois étoiles. Après, il suffit de fermer la fenêtre d'alignement EQ Mode en cliquant sur Stop. Là où ça clignote, vous cliquez là, ça ferme la fenêtre. Après, on va pouvoir baisser la fenêtre de commande d'EQ Mode, la réduire. On peut passer en plein écran avec le Stellarion. Et après, ben voilà, hein, ce qui est bien avec Stellarion, ben, c'est qu'on a la reproduction du ciel au lieu où on se trouve, en temps réel. L'ordinateur vous montre ce que vous voyez dans le ciel en temps réel, quoi. Donc, ça vous sert d'atlas, quoi, déjà. Ça vous sert d'atlas, ça c'est vraiment sympa, parce que vous avez des milliers d'objets qui sont référencés en catalogue. Vous avez les amas, nébuleuses, galaxies. Voilà, vous avez vraiment de quoi vous éclater avec tout ça, quoi. Voilà. Il y a vraiment des tas d'objets, quoi. Des tas d'objets. Là, on a visé la nébuleuse du cône. Bon ben voilà les amis, c'était ce petit tuto pour vous expliquer comment configurer votre NUQ6 avec Stellarion, EQ Mode et le Ascom. Ben je vous dis bye bye et puis à une prochaine quoi pour une autre vidéo. Allez salut.